Bref, I love my job. Donc j'ai commencé chez Manpower par un stage en 2001 pour mon BTS commerce et le responsable de l'autre agence de Bourg-en-Bresse m'appelle en été, j'étais en pleine vacances à Marseille avec des amis et il me dit j'ai un poste qui se libère, est-ce que tu veux rejoindre mon équipe? Et du coup je lui ai répondu oui, quand est-ce que je peux commencer? Il me répond au plus tôt. Donc j'ai sauté dans ma voiture et j'ai rejoint l'équipe de Bourg-en-Bresse dès le lendemain et j'ai abandonné mes amis en pleine vacances à Marseille. J'ai commencé à travailler chez Manpower dans une agence généraliste donc au poste de chargée de recrutement sur de l'industrie, du BTP, de la logistique, du transport et également du tertiaire. J'ai également été un plan dans une blanchisserie industrielle où je gérais des équipes de 70 personnes pour des plannings, pour la visite des sites, pour les recrutements et le suivi des candidats. Et rapidement, donc, je me suis intéressée au BTP puisque c'est un secteur que j'apprécie. J'aime la relation de proximité que je peux avoir avec les collaborateurs intérimaires et surtout la relation de confiance et de franchise que j'ai avec mes clients. Donc depuis un an, j'occupe le poste de responsable d'agence BTP sur Bourg-en-Bresse. Le BTP est un secteur que Manpower souhaite développer et mettre en avant. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma directrice de secteur, Pascale, qui m'a fait confiance et qui m'a confié ce nouveau challenge. Donc ce que je retiens de mon parcours chez Manpower, c'est avant tout de pouvoir suivre son intuition, d'aller en dehors du cadre si vous y croyez vraiment, de pouvoir accompagner des talents. Moi, c'est ce qui me motive chaque jour et je sais pourquoi je me lève le matin pour pouvoir trouver le job idéal à mon candidat.